Bonjour YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire une petite présentation d'écouteurs style AirPods. Quand j'ai vu le catalogue de Netto, je me suis dit, il y a quoi dans le catalogue? Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, des AirPods avec boîtier d'induction. Bah, pas des vrais AirPods, hein, mais des styles AirPods avec un petit boîtier d'induction sur le côté, là. Donc, on va les tester et les déballer. Fonction connexion Bluetooth automatique, contrôle tactile, distance Bluetooth 8, 15 mètres. Vache. Contrôle multimédia à distance Bluetooth 5.0. Temps de charge 30 minutes et temps d'utilisation 3 heures. Pas mal déjà. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Waouh, petit boîtier d'induction. Magnifique. Waouh, c'est génial. Et c'est. Qu'est-ce que nous avons d'autre à l'intérieur? Petit AirPods. On dirait des AirPods. Ah ouais. Ah ouais, on dirait vraiment des AirPods. Je suis sûr, je vous montre mes vrais AirPods. Ah ouais, non, là, alors là, ils ont vraiment copié. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans la boîte? Alors. Petit câble Lightning. Ah non, là, alors là. Non mais Netto quand même. J'ai acheté ça à Netto. Tu vas pas me dire qu'ils ont le droit de vendre ça. Petit câble Lightning. AirPods. Faux AirPods. Après, moi je suis pas chez eux, mais quand même. C'est fou. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quoi ça? De l'USB type C? Non, même pas. D'accord, parce qu'en fait, je vous explique. Vous faites comme ça. Et c'est un petit boîtier d'induction. Les vrais AirPods, tu les poses sur un dock de charge. Et ça charge. Là, c'est un boîtier en plus. Peut-être que si je les mets sur un dock de charge. Bon, on va tester, voir ce que ça donne. Hein? C'est un wireless charger. Petit iPhone des familles. On va voir si ça les reconnaît. Comme des AirPods. Thank you.
Regardez-moi ça. Ce ne sont pas vos AirPods. Attends, je vais les remettre à l'intérieur, voir. Je vais les remettre à l'intérieur et faire comme ils ont dit. Non, regarde. Non, t'es pas sérieux. Ça me les prend comme des AirPods. Non, t'es fou, mon gars. Utopie s'engage à vous accompagner dans l'utilisation de vos produits. Me dis pas qu'ils ont pris des AirPods. Ah, maintenant ils vont se connecter automatiquement. C'est génial. Attends. Faut que je les teste. Oh. Madoué. T'es fou. Comme des AirPods. Ça les détecte. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est la qualité sonore. Parce que vous êtes fou, mes gars. La vache. Wow. Madoué. T'es sérieux? Je les ai enlevés, ça a coupé le son. T'es sérieux là, c'est des AirPods? Ah non. Bah si. Je les remets, ça va se remettre. Contrôle vocal. Contrôle vocal. Je suis bluffé. On dirait des AirPods. Donc en fait, je suis bluffé. On dirait des AirPods. Quand tu les enlèves, ça coupe la musique. Quand tu les remets, ça remet la musique. Ça remet la musique. Regardez. Là, la musique est coupée. C'est fou quand même. Bon, d'accord, je suis bluffé par ces écouteurs-là. Faudrait que je puisse tester. Je ne sais pas si tester le boîtier à induction. Bluffé, on dirait vraiment des AirPods, sauf qu'il n'y a pas marqué design Apple by California. On dirait vraiment des copies, quoi. Je sais pas si vous voyez, j'ai pris mon ordi, mais c'est en train de. On dirait un dock de chez Apple, quoi. Donc on va mettre ça, on va mettre le petit dock. Non, t'es pas sérieux là. Regardez, c'est en train de charger. C'est un petit dock de chez Apple. Je pense que je testerai un autre moment avec un autre dock, quoi, parce que là, ça a l'air d'être fou. On dirait que c'est un boîtier à induction. Là, c'est un petit boîtier pour mettre en plus, quoi. Ça charge. C'est génial, on dirait. Putain. On dirait des AirPods, mon gars. C'est fou, quoi.
J'ai cru que c'était de l'USB type C là. Non, c'est du Lightning. Pour être fou quoi. Je pense que je vais les utiliser pendant longtemps. Mais en tout cas, ils sont géniaux les AirPods de Utopie là. Je suis bluffé. 17,99, je les ai payés. Voilà. Pas très cher, 17,99, presque 20 euros quoi, pour des, on va dire des faux AirPods, mais c'est pas des comment ça s'appelle, des TWS ou des i9 ou i10, c'est des vraies copies de AirPods, vraiment copiées. Que des fois les i9, les i10, les i11 sont des copies, mais c'est plus, ce sont des écouteurs Bluetooth bien plus gros quoi. Là, ils font la même taille. Et ils sont reconnus comme des AirPods. Des fois, les faux AirPods que j'achète, des fois, j'achète des faux AirPods sur Wish, par exemple. C'est la même chose. Ils détectent des fois. C'est fou, hein? Attends. On va le. Il les détecte. Il les détecte comme mes AirPods. C'est marqué AirPods de Maël. Il me les détecte comme les miens, quoi. Je suis bluffé, quoi. Voilà pour ces petits écouteurs. Ils sont géniaux. Si cette vidéo t'a plu, tu lâches un gros pouce bleu. Tu mets un commentaire en dessous de la description. Tu t'abonnes à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Et moi, je te retrouve dans de prochaines vidéos. Salut YouTube!